Bon, et mes premières captures, sympa. Une jeune. C'est comme... C'est une jeune, oui. A priori. Bon, mais chez l'oiseau de l'année, qui n'a pas encore fini sa mue, il y a les rémiges primaires, là, qui sont usées au niveau des barbules. Comme elle a fait le voyage migratoire, bon, c'est plus ou moins usé suivant si elle vient de loin ou moins loin. Bon, là c'est usé normalement. Et ensuite, ici, sur ces couvertures là, secondaires, il y a un petit liseré brun qui est de la même couleur que l'ensemble de l'aile. Vous voyez ce petit liseré là au bout de chaque plume. Voilà. Chez l'adulte, on le verra si on en attrape. Ce liseré est beaucoup plus fin et clair, très très clair. Blanc pratiquement. Par contre, chez l'adulte, comme elle a fait sa mue, ses plumes sont toutes neuves, elles sont pas usées. Voilà, ça c'est le critère principal, hein. C'est le premier critère à regarder. Voilà. C'est pris. Voilà. Alors pour la capture, ouais, nous on a besoin de conditions mauvaises, hein, pour pouvoir faire des approches correctes. Et puis voilà. Sinon, et puis bon, il y a quand même des oiseaux. Mais le vent est nécessaire pour justement qu'elle ne nous entende pas approcher. Parce que si c'est trop calme, souvent elles ne tiennent pas, elles s'en vont. Ouais. Comme genre de rencontre la nuit. Oui. Ça arrive à les filmer. Ouais. Il se laisse pas approcher en tout cas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Il a quand même des oiseaux. Ouais. Pas senti, mais... C'est bon qu'elle lâche le fion. Oui, souvent au moment de la capture. Alors, ce qu'on fait, on regarde quand même qu'elle n'est pas une bague, parce que ça arrive de capturer des oiseaux déjà bagués. On appelle ça un contrôle. Bon, là, c'est pas le cas. On va la marquer avant de l'observer. Tu vois, mais de loin, je disais, est-ce que ça en est une là ? Tellement ras du sol là, tu vois, aujourd'hui. De la cuvette qu'elle était. Ouais. Puis t'as vu comme elle était, vraiment enfoncée dans l'herbe. Et que la tête qui est dépassée. Tiens, vas-y, attends. Tu marques comme dans la boîte.
Alors sur la bague, il y a l'inscription Muséum Histoire Naturelle. Et ensuite, il y a une combinaison de lettres et de chiffres. Voilà, c'est un numéro unique. Alors les lettres correspondent à la taille des bagues, suivant les oiseaux bagués. Et après, il y a un chiffre. Et chaque oiseau fait l'objet d'une fiche de marquage qui est transmise à l'ONC, qui, elle, après, centralise toutes les données de la saison et les données. Au CRBPO, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui établit un fichier général pour tous les oiseaux bagués en France. Et lorsque des gens nous renvoient des bagues, eh bien, le CRBPO leur renvoie l'information sous forme de petite carte où il y a tout de mentionné, tous les renseignements concernant l'oiseau, la date, le lieu de bagage, l'âge, etc., l'espèce. Ah ben, ces oiseaux, ils viennent de toute l'Europe de l'Est, hein, puisqu'on reçoit les oiseaux ici de Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie, tous ces pays-là. Ils viennent chez nous. Moscou, on a eu des reprises de bagues. Lituanie aussi, ouais. Pologne. Ouais. Alors voyons. Leningrad. Qu'est-ce que c'est comme Moscou, ouais. Russie. Jeune, là on le voit bien. Ouais. On voit bien. On voit les barbulusés, donc c'est ici une jeune. Allez, allez. Vas-y. Tanguy. Lâche ton oiseau, mais non. Remets la. Ouais. T'as le plaisir de la. Chacun son de tour. De la relâcher. Chacun son tour. Il y en aura d'autres, normalement, je pense, là. Mais voilà, on commence bien la soirée. Il y a content. Des fois, là, il reste là un petit moment, là, avant de partir, hein, pour l'être. Pour assurer. Allez, prêt. Belle celle-là. C'est une belle adulte, ça, non? Elle est jolie. Et puis la tienne. On pourrait l'attacher. Non. C'est une jeune ou c'est rare? Moi, je dirais une adulte. Ça va comme c'est usé. Tu vas voir? C'est pas chier du tout. On va voir comment on procède. Oui, c'est bon, ça marche.
devant, lui il était 5 mètres derrière, il s'en dit. Je pouvais pas, t'as vu le vent s'est levé quoi. J'ai forcé quand et. Puis après que j'ai senti la distance, j'ai dit c'est bon, tu arrêtes, je passe plus et je vais te chercher, ouais. Ah là là. J'ai forcé en disant. Attends. Ça fera ce que ça fera. Et puis si tu veux, ça fait que le vent vroum, ça y est devenu dessus, tu sais là. Ça c'est une adulte. On voit bien le petit liseré fin, tout blanc, et puis les rémiges qui sont pas du tout usés. Voilà une belle bécasse adulte. Quand elle fait la roue, ça fait, ouais, je la tiens. Quand elle fait la roue. Bonne soirée.